بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni les abords afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Nous avons donné à Moïse le livre dont nous avons fait un guide pour les enfants d'Israël, leur disant « Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avions transportés dans l'arche avec Noé, et ce dernier était vraiment un serviteur reconnaissant. » إلى في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Et pour les enfants d'Israël, nous avons décrété dans le livre: par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous deviendrez de grands tyrans. Lorsque vint le moment où devait s'accomplir la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui ravagèrent votre pays. Ainsi fut accomplie notre menace. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux. Nous vous renforçâmes en bien et en enfants et fîmes de vous un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le faites pour votre âme. Et si vous faites le mal, vous le faites contre vous-même. Puis, quand vint le moment où devait s'accomplir la deuxième prédiction, nous envoyâmes contre vous d'autres de nos serviteurs pour vous défigurer et pour entrer dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois, détruisant tout sur leur passage. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous répétez votre crime, nous répéterons notre châtiment, et nous avons assigné l'enfer comme prison pour les mécréants.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils recevront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un douloureux châtiment. L'homme prie pour obtenir le mal comme il prie pour obtenir le bien, tant il est impatient de nature. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Puis nous avons obscurci le signe de la nuit et avons rendu visible celui du jour pour que vous recherchiez les bienfaits de votre Seigneur et pour que vous puissiez connaître le nombre des années et calculer le temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Au cou de chaque homme, nous avons attaché son destin. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera grand ouvert. Lis ton livre, aujourd'hui ton âme te suffit contre toi-même pour dresser les comptes. Quiconque emprunte le droit chemin ne l'emprunte que pour le bien de son âme, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, et jamais nous n'avons puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Et quand nous voulons détruire une cité, nous envoyons d'abord un ordre à ses habitants qui vivent dans l'aisance. Mais peu après, ils transgressent cet ordre et se livrent aux pires excès. Alors la parole prononcée contre cette cité se réalise et nous la détruisons complètement. Que de générations avons-nous exterminées après Noé ? Et ton Seigneur suffit pour connaître à fond les péchés de ses serviteurs et les observer. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Quiconque désire la vie présente, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et rejeté. Et quiconque désire l'au-delà et fournit les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, alors les efforts de ceux-là seront reconnus. Nous accordons à tous, à ceux-ci comme à ceux-là, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne seront refusés à personne. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Vois comme nous favorisons certaines personnes par rapport à d'autres, et dans l'au-delà, il y aura de plus hauts degrés et de plus nombreux privilèges. N'associe pas d'autres divinités à Dieu, ô homme, sinon tu te retrouveras méprisé et rejeté. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et votre Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, garde-toi de leur marquer la moindre répulsion ou de leur manquer de respect. Adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Fais preuve d'humilité envers eux, témoigne-leur ta tendresse et dis « Ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans votre âme. » رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Si vous êtes vertueux, alors il est certes pardonneur envers ceux qui reviennent à lui. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Et ne gaspille pas tes biens dûment. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا
بصيرا. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu dois t'éloigner des solliciteurs pour partir à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, alors adresse-leur au moins des paroles bienveillantes. Et n'enchaîne pas ta main à ton cou par avarice, mais ne l'attends pas non plus outre mesure. Tu éviteras ainsi tout blâme et tout regret. Certes, ton Seigneur rend abondants les moyens de subsistance de qui il veut, et il les restreint à qui il veut. Certes, il connaît et voit parfaitement tous ses serviteurs. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous subviendrons à leurs besoins comme aux vôtres. Les tuer est vraiment un énorme péché. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et n'approchez point de l'adultère, c'est une abomination et un mauvais chemin à suivre. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et, sauf pour une juste cause, ne prenez pas la vie que Dieu a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, nous avons donné à son héritier l'autorisation d'exiger le talion. Mais qu'il ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Et n'approchez des biens de l'orphelin que pour en user au mieux de ses intérêts, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez toujours à en répondre. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donnez la pleine mesure lorsque vous mesurez et effectuez vos pesées à l'aide d'une balance juste. C'est plus honnête et les suites en sont meilleures. Ô homme, ne suis pas ce à propos de quoi tu n'as aucune connaissance, car on aura à répondre de son ouïe, de sa vue et de son cœur. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Et ne marche pas avec un seul an sur la terre. Tu ne saurais enfendre l'épaisseur, ni jamais atteindre la hauteur de ces montagnes. Ce qu'il y a de mauvais en tout cela est détestable aux yeux de ton Seigneur. Cela fait partie de la sagesse que ton Seigneur t'a révélée, ô Mohammed. N'attribue donc pas d'autre divinité à Dieu, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et réprouvé. Votre Seigneur, ô païen, vous aurait-il favorisé en vous donnant des fils ? Tout en choisissant pour lui-même des filles, prises parmi les anges, vous prononcez là de terribles paroles.
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Nous avons multiplié tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dis, s'il y avait d'autres divinités avec lui, comme ils le prétendent, celles-ci chercheraient sans doute à lui disputer son trône. Gloire à lui, il est le plus haut et il est infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les sept cieux et la terre, et tous ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Et certes, il est indulgent et pardonneur. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Et quand tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Ils nous recouvrons leur cœur d'un voile et affectons leurs oreilles d'une surdité, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand, dans le Coran, tu fais mention de ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos avec aversion. Nous savons très bien ce qu'ils souhaitent entendre, et lorsqu'ils tiennent conseil secrètement, les injustes disent « Vous ne faites que suivre un homme ensorcelé. » انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Vois ce à quoi il te compare. Il s'égare donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils demandent, quand nous serons réduits à l'état d'ossements et de poussière, serons-nous vraiment ressuscités en une nouvelle création ? قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. Dis, soyez donc pierre ou fer ou toute autre créature qui, dans votre esprit, semble plus difficile à ressusciter. Ils diront alors, qui nous fera ressusciter ? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils hocheront la tête, sceptiques, et demanderont, quand cela ? Dis, ce sera peut-être bientôt. Le
Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant, et vous penserez n'être resté sur terre que bien peu de temps. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Et dis à mes serviteurs de ne s'exprimer qu'à l'aide des meilleures paroles, car Satan sème la discorde parmi eux. Il est certes pour l'homme un ennemi déclaré. C'est votre Seigneur qui vous connaît le mieux. S'il veut, il sera miséricordieux envers vous, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé, ô Mohammed, pour que tu les surveilles. Et c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons préféré certains prophètes à d'autres, et nous avons donné les psaumes à David. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne possèdent nullement le pouvoir de faire disparaître votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent espèrent eux-mêmes trouver le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, même ceux qui en sont le plus proches. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment, car le châtiment de ton Seigneur est vraiment à redouter. قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Il n'y a point de cité injuste que nous ne détruirons avant le jour de résurrection ou que nous ne châtierons d'un terrible châtiment. Cela est écrit dans le livre des décrets. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les hommes des générations passées les ont traités de mensonges. Nous avions donné au Samoud la chamelle, qui était un signe évident. Mais ils lui firent du tort. Nous n'envoyons de signes qu'à titre d'avertissement. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Et il s'agissait d'un avertissement lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur contrôle entièrement les hommes. Et la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les avertissons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grossière impiété.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui dit me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ? Il dit encore, vois-tu cette créature que tu as honorée au-dessus de moi ? Si tu m'accordais un répit jusqu'au jour de la résurrection, je mènerais à sa perte toute sa descendance, sauf un petit nombre. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Dieu dit, va-t'en, ceux d'entre eux qui te suivront, l'enfer sera votre rétribution à tous. Une pleine rétribution. Et séduis par ta voix tous ceux que tu pourras parmi eux. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Partage avec eux leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or Satan ne leur fait des promesses que pour mieux les tromper. Quant à mes vrais serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Ton Seigneur suffit pour les protéger. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau en mer pour vous, afin que vous alliez à la recherche de ses bienfaits. Il est certes toujours miséricordieux envers vous. Et quand le danger vous guette en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui vous abandonnent. Puis, quand il vous ramène sain et sauf à terre, vous vous détournez. L'homme est vraiment très ingrat. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Vous sentez-vous à l'abri d'être englouti par une étendue de terre ? Par la permission de Dieu. Avez-vous la certitude qu'il ne vous enverra pas une tempête de sable ? Et vous réaliserez alors que vous n'avez aucun protecteur. Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous ramène en mer une autre fois ? Qu'il déchaîne contre vous un ouragan et vous noie à cause de votre ingratitude. Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les transportons sur terre et sur mer, et nous leur donnons de bonnes choses comme nourriture. Nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes avec son chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite le liront avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. Il sera encore plus éloigné de la bonne voie. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Leur but était de te détourner de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir que tu inventes quelque chose d'autre et que tu nous l'attribues. Dans ce cas, ils t'auraient certainement pris pour ami. Et si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais peut-être été bien près de pencher quelque peu vers eux. Dans ce cas, nous t'aurions fait goûter un double châtiment en cette vie et un double supplice dans la mort. Et tu n'aurais trouvé aucun secoureur pour te défendre contre nous. Te persécutant sans trêve, leur but était également de t'inciter à fuir le pays. Mais dans ce cas, il n'y serait pas resté longtemps après toi. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Telle fut la règle que nous avons appliquée aux messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement dans notre règle. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et récite le Coran à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Et consacre une partie de la nuit avant l'aube à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position glorieuse. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Mon Seigneur, fais que je rentre par la porte de la vérité et que je sorte par la porte de la vérité. Et accorde-moi, venant de toi, un pouvoir qui pourra m'aider. Et dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Du Coran, nous révélons ce qui constitue une guérison
et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Et lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne de nous, indifférent. Et lorsqu'un malheur le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit à sa façon, tandis que votre Seigneur sait mieux qui suit le droit chemin. Et il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que bien peu de connaissances. Si nous voulions, nous pourrions certes retirer ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais par la suite aucun protecteur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car certes, sa bonté est grande envers toi. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dis, même si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de similaire à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons donné aux gens dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart d'entre eux rejettent tout, sauf l'incroyance. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Et ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre une source pour nous, ou que tu aies un jardin de dattiers et de vignes entre lesquelles tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel par morceaux, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous, ou que tu possèdes une maison ornée d'or, ou que tu montes au ciel. Et même là, nous ne croirons à ton ascension que si tu fais descendre pour nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, ô Mohammed, gloire à mon Seigneur, je ne suis qu'un simple mortel, envoyé par Dieu à mes semblables. <t'->
بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Rien n'empêcha les gens de croire lorsque la vérité leur parvint, si ce n'est qu'ils dirent « Dieu a-t-il envoyé un mortel comme messager ?» Dis, s'il y avait sur terre, à la place des hommes, des anges marchant tranquillement, c'est alors un ange que nous leur aurions fait descendre du ciel comme messager. Dis, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il connaît bien ses serviteurs et voit parfaitement tout ce qu'ils font. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Celui que Dieu guide est toujours sur la bonne voie, tandis que ceux qu'il laisse s'égarer, tu ne leur trouveras jamais de protecteur en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons tous en les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblit, nous en accroissons l'ardeur. Telle est leur rétribution pour avoir refusé de croire à nos signes, et aussi parce qu'ils ont dit Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Ne voit-il pas que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des gens pareils à eux et qui leur a fixé un terme au sujet duquel il n'y a aucun doute. Mais les injustes rejettent tout, sauf l'incroyance. Dis-leur, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoriez sûrement, de peur de les dépenser, car l'homme est très avare de nature. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
Et nous avons certes donné à Moïse 9 signes évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il vint à eux et que Pharaon lui dit « Ô Moïse, je crois que tu es ensorcelé. » Moïse dit « En vérité, tu sais très bien que seul le Seigneur des cieux et de la terre a fait descendre ces signes comme preuve. Quant à moi, je considère que tu es perdu, ô Pharaon. » Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Par la suite, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez en toute sécurité sur la terre. Et lorsque se réalisera la promesse de l'au-delà, nous vous ferons venir en masse. Et c'est en toute vérité que nous avons fait descendre le Coran, et il est descendu avec la vérité. Et nous ne t'avons envoyé que pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir les gens. Et c'est un Coran que nous avons communiqué fragment par fragment pour que tu le récites aux gens graduellement. أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas, qu'importe. Certes, lorsque l'on récite à ceux à qui on a donné le savoir, ils tombent prosternés en adoration, le front contre terre, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur a véritablement été accomplie. » Et ils tombent front contre terre en pleurant, et cela fait croître leur humilité. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dis, invoquez Dieu ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il a les plus beaux noms. Et ne récite pas ta prière à voix trop haute, ni à voix trop basse, mais cherche le juste milieu. Et dis, louange à Dieu, qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a point d'associé dans son royaume, et qui n'a besoin de personne pour le protéger contre l'humiliation. Et magnifie hautement sa grandeur.